Bon, alors, maintenant qu'on est là-dedans, on va pouvoir s'amuser un peu. Ça, c'est tombé. Ça va là. Là, il y a un truc que je... Il y a une porte, là, quand même. Ça, c'est un des derniers pouvoirs. Donc, je vais peut-être pouvoir bientôt accéder au TP vert. Encore faut-il pouvoir y accéder. Mais il y a plein de choses rouges à Gavoran. Ça, c'est déjà détruit. Peut-être que je peux enchaîner les sauts pour passer ça maintenant. Et me balader là-dedans et avoir cette grande salle de sauvegarde, très grande salle. Non, c'est une salle de sauvegarde en fait. Ouais, je sais pas, on va voir. Il y a du verre en dessous là. Oh, j'y étais presque. Voilà. Si c'est des blocs précipices. Non! Oh. Ça reste un TP par contre. C'est intéressant. C'est pas tout à fait ce que je voulais, en vrai. Quoique, par où je serais passé sinon, en vrai. Il aurait fallu faire tout le tour par le labyrinthe. Redescendre là, cette sauvegarde. Ah ouais. Très bien. Burenia. Ah mais ça veut dire, attendez, j'ai déjà... Laissez-moi réfléchir 2 secondes. Oh. Oui, on prend le TP, on en parlera après. Donc, TP vert a été pris. Orange, c'est fait. Il faut faire un point sur les autres. Du bloc. Ah, il y a des blocs là quand même. Bon, maintenant que ça c'est ouvert. On va descendre en vrai. En vrai, on va descendre. Je voulais juste ouvrir.
piège. Non. D'accord. Donc ça, c'était juste gratuit. Là. Je me suis bloqué, c'est ça. Non. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est juste question de dextérité, encore une fois. Bon, TP vert, très bien. Je voulais faire un point TP. Non, point TP. TP vert, pris. TP orange, jaune, violet. Rouge. Orange, vert, rouge, jaune, violet. Il me manque le bleu foncé et le bleu cyan. Ok. Ok, ok. Mais où vais-je maintenant? Où vais-je? Déjà, il y a des choses en bas. Il y a peut-être des blocs cachés ici. C'est à côté, ça. Non, mais ils sont partout. Ok. On va essayer de faire un truc. Il va falloir être tellement, tellement de dextérité là aussi. Oh punaise, faut faire tout le tour. Regardez, attendez. Est-ce qu'il y a des blocs là? Non, il n'y a pas de blocs cachés ici. Je suis toujours en aquatique. Ah!
Non. Non, 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 non. Pourquoi ça a pas fonctionné? Pourquoi ça a pas fonctionné? Passer par là et aller vraiment tout droit. Ça paraît chelou quand même. Et si c'était ça, punaise. Blindage rayon plasma. Nouvelle zone. De la vie, génial. Ça rassure pas. Alors, on va d'abord passer par là. C'est un boss. Ok, demi-tour. C'est une salle de boss. Non, c'est pas une salle de boss. Il ressemble beaucoup quand même. De boss, tant pis. Étonnant. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ces bêtes là. Là, un bouclier. Et la sauvegarde, elle est dans une autre salle. Ok, très bien. Musique a changé. Non. Très bizarre comme ça là. Très très bizarre. Là, je suis censé faire quoi? Aller en face.
Très bien. La sauvegarde, je prends la sauvegarde. Ah, ok, j'ai compris. Non, je me fais attaquer. Non, j'aurais dû attendre. Ok, là ici je suis passé. En bas on a ça. Ah, mais parfait ça. Pour y accéder, ça va être une autre affaire. On va passer par au-dessus ou vider l'eau. Ou tout simplement. Hop là. Ça c'est gratuit. Une grande salle en très grande salle en bas, au secours. Qu'est-ce que c'est? Une grande salle. Je sens venir un boss aquatique. Ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon ça.
dégâts. Attendez. Non. D'abord en bas. D'abord en bas et après je remonte. Il y a une salle en bas. Très bien, ça servait à rien. Donc je remonte direct. La cinématique. Ah non. Celle du boss, ça va être au-dessus en fait. Ça, c'est une certitude. Surtout s'il y a un truc comme ça. Tenez, prenez de la vie. Non, que des munitions, pas de la vie, d'accord. Autant pour moi. Eh bien. Par contre, j'espère que qu'il y a une sauvegarde pas loin là, ça commence à faire loin justement. Là, ils mettent ça juste pour récupérer de la vie. C'est juste gratuit. Ça. Il y a un truc là-haut. Il y a des trucs là-haut. On va refaire le tour de toute façon, j'ai pas le choix. Maintenant je suis tombé. Point sur la map quand même. Il y a bien un passage en haut. Il y a un petit bloc aussi qui me perturbe un peu. Ici, là.
Non, c'est ça. C'est censé faire quoi du coup? Ça a ouvert un passage très... Ça a creusé en bas? Ou c'était déjà ouvert en bas? J'ai modifié la map. Je vais quand même jeter un œil en haut en fait. Sauf que comment faire? Ah, là-haut, ici. D'accord. Un pouvoir. Trop bien. Allez. Nouveau pouvoir chorizo. Attends juste de voir la mana. Hop là, est-ce qu'il y a d'autres blocs cachés, s'il vous plaît? Non. Très bien. Qu'est-ce que c'est quoi ça? Un flash. L'antigravité. Elle est violette. C'est Samus Badass. Combinaison de gravité. Parfait. Ça change. Combinaison de gravité. Réduit grandement les dégâts infligés par les attaques ennemies et protège Samus du froid extrême. Ah. Et de la lave. Ah. Permet aussi à Samus de se placer librement sous l'eau. De plus, la combinaison de gravité augmente légèrement les dégâts infligés par la frappe de course. Ah, ça c'est bien. Ça. Parfait. Ah, oh le changement, mon dieu, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'eau. Oh le plaisir. Je vais prendre plaisir. Ah. Trop bien. De speedac. Bon, et maintenant que tout ça est fait, je peux monter là. Et c'est ce que je vais faire. Ah, par contre, pour attraper ça, là, c'est enfermé, ça. Poisonne un peu lui. Okay. Là au moins on sait qu'on a ça. Ah, la sauvegarde de l'amour. Et du lore ?
balader dans le froid. Ça, c'est trop bien. Ah, on va partir apparemment. Une grande zone en fait. Bah maintenant beaucoup trop vite je trouve. Attendez, attendez. Et non. Et non. Aux espoirs. Où allons-nous? On revient à Artaria. Ah d'accord. Ah d'accord. Ok. Bon, alors, Artaria, donc c'est la zone ici en bas, ok, très bien. Il y a quelque chose encore là. J'ai pas accès. Tout ça pour des missiles. Non. Il s'appelle avoir eu chaud. Froid. Je vais supposer qu'à un moment donné on va réchauffer la température de la planète et que tout ça, ça va fondre en fait. Voir chorizo derrière qui est complètement glacé.
éviter. Ah, je peux pas. Et le TP bleu, il est à côté là. Tiens donc. Allez le boss. Allez. Allez. Pause. Punaise. En plus c'est un lancier. J'en peux plus de mon PC, je ferme arc, il faut 40 minutes pour que je puisse réutiliser le PC. Blue skin en boucle. Plein d'erreurs. Eh ouais. Ça, c'est pas... c'est la faute, t'as pas de chance. Ça. Mal. Hein. Il me fait hyper mal, oui. C'est pas de la malchance, c'est de la vieillesse. Faut clean le PC, peut-être, ça peut aider. Je l'ai mis en phase 2, c'est déjà pas mal. Oh punaise. Ok, donc il a une phase 3. Faut que j'essaye d'être safe en phase 1 et 2. Après, à la base, j'étais pas full vie, hein. Bon, pas de beaucoup. En vrai, ça changerait rien.
exprès dans l'angle ou est-ce qu'il me tire dessus? C'est une bonne question, ça. C'est sur moi qu'il crache, d'accord. En gros, prudence et de mise. Mais comme tous les boss. Là, il a déjà enlevé la moitié de la vie. Ok, non mais Oh, trop bien. D'accord, tu peux... Ok. Je vais crever, mais je crois que j'ai compris un truc. Non. Ok. Ok, ok, ok. Okay. Ça va être long. La phase 3 va être longue. La phase 1 était bonne, la phase 2 était pas bonne, et du coup la phase 3 m'a tué.
Ok. Là. Punaise. Il m'a empalé là, c'était méchant. Je pense qu'il y a un peu de mieux. Et qu'en fait, quand il crache, faut pas que j'aille en haut. Mais que j'essaye de faire cracher de manière à ce que je puisse rester en bas et lui tirer dessus.
punaise. Non. Il y a le double contre. Il y a le double contre. Il y a le double contre. Ah non. Ok, là j'ai complètement foiré. Voilà, c'est la panade. Punaise. Allez, suis-moi. Je sais plus jouer là, ce boss me stresse. La phase 1, je la passais nickel quoi.
horrible. Allez là. Courage, ouais. C'est plus patience au final. Non. Comme s'il y avait besoin de lui rajouter des capacités au boss, quoi. Vous rajoutez des capacités, mais pas à vos DOS. Non. Punaise. Punaise, punaise. C'est que la deuxième fois que j'arrive à aller au contre, quoi.
patience. C'est extrêmement frustrant. Dedans deux fois, allez, trois, et c'est gratuit. C'est la maison qui rentre. Allez, la phase 2. Je préférais limite les jumeaux, quoi. Plus ça va, plus les boss sont insupportables. C'est la manière, parce que ça passe une. Je fais des bêtises. Mais elle est gérable, ça passe une, ça va. La 2, ça va aussi. Alors la 3. C'est crescendo, quoi. C'est même... Non, c'est pas crescendo, c'est... Voilà, on parle moi. J'ai perdu toute la vie. Toute.
Je peux même pas faire un point. Enfin, regarder ma propre vie pour savoir où est-ce que j'en suis. Pour me dire, bon, je peux prendre un coup ou pas. Non, non, je ne peux prendre aucun coup, en fait. Parce que il m'enlève plus qu'une barre de vie. C'est pas normal. Et en plus, après le jeu, il paraît qu'il y a un mode difficile. Alors, si ça, c'est pas un mode difficile, je sais. Là, je prends une barre de vie gratuite. Je l'ai pas eu, je l'ai pas eu. Punaise, je l'ai pas eu. Je l'ai pas eu, je l'ai pas eu au secours. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Joss, vous avez vergé. Merci. J'ai pas eu le contre, quoi. J'ai eu le premier contre, j'ai pas eu le deuxième. C'était en stream, moi, Joss. Pourquoi je veux mettre un marqueur, moi? Et voilà, voilà, voilà. J'ai eu le premier contre, j'ai pas eu le deuxième. Bon, c'est ça, ça fait trois fois sur je sais pas combien de dizaines d'essais que j'arrive sur la dernière étape en fait. Seulement trois fois sur je sais pas 30. Ouais, ouais, ouais. Allez go. Voilà, ça c'est gratuit, voilà, ça c'est gratuit aussi. Est-ce que je les régène ne m'a pas assez régène? Allez, avant la passe 3, génial. Host manuel, je fais des tests. Et host auto ne fonctionne plus. Moi, tout à l'heure... enfin, en gros, sur Iva... Bon, certes, là, Iva Sand est en live, mais sur Jake, Iva Sand, même si je stream pas personnellement. Enfin, je vois que je host automatiquement Iva Sand. Et d'autres choses, vu qu'il y a d'autres choses aussi, mais... J'ai pas besoin de le faire en manuel. J'irai revérifier, mais... Voilà. Là, il a décidé d'être... casse-pied. Là, voilà. Ouais. Je passerai pas la phase 2. D'avoir une crabe, une crampe la phase 2. Crampe aux index sur les boutons L et R. Allez, vas-y, la vie.
Arrête de sauter partout. Phase 3, génial. Là il va refaire pareil. Non. Oui. Je sais pas. Mets-toi quelque part s'il te plaît parce que là c'est stressant. Ouais, alors pas là, pas là, pas là, pas là. Trois fois. Un, deux, trois, quatre. Alors attendez, l'animation du crachat n'a même pas eu lieu que je suis mort sur le crachat. Je conteste. Je conteste cette mort. Vérifie quand même. Non, non, je suis. Il y a bien un hébergement là. Okay. Faut pas hésiter à faire une pause quand tu tryhards comme ça. Non! Parce que sinon, faut faire. Du redécoupage, j'aime pas. Oh, punaise. Non! J'aurais dû rester au bord.
en plein vol en diagonale. Je crois que c'est officiellement le boss sur lequel je mets le plus de temps. Oui. Oh punaise. Enfin. Je vais retrouver une sauvegarde et vite. Ok, d'accord. Allez, fais un double saut. Je sais plus faire les doubles sauts, ça y est. C'est horrible, hein. Allez, ça rejoint ici, très bien. Des blocs cachés en dessous. Non mais il est revenu là-haut. Et oui, qu'il est revenu évidemment. Thank you.
c'est bon, oh, c'est beau, c'est beau. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, 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 pas le boss. Oh, tiens, je prends un peu de vie. Ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé la grande vitesse. Bon. Évidemment qu'il faut sortir là aussi. Voilà. C'est bizarre quand même parce que quand la map avait été scannée pour me dire voilà toutes les cases manquantes de la map, là au final il me dit il y a encore des choses cachées sur la gauche. Donc, à quel moment la map s'arrête et ne s'arrête plus? C'est une bonne question. Et là, on remonte là où j'avais mis le marqueur. Parfait. Parfait, parfait. Oh putain, ça sent partout. Bon, je suis ici. Là, il y a quelque chose qui va pas. Là, il y a de la régène. Là, on s'en fiche. Là, c'est fermé. D'accord. Si je continue tout droit, je vais avoir droit à une sauvegarde. Si je vais en bas... Je vais peut-être faire un truc... d'une arme en plus. J'ai besoin d'une arme en plus. D'accord. Là, c'était le pouvoir du rayon de charge, donc je n'ai rien à faire là. Je n'ai rien à faire ici. Bon, je passe. Ah bon, je passe. Merci. Tac. Là-haut, c'était pris. Ah oui. Faisons ça. Le poison, il m'a mis cher quand même. Mais ça a gelé toute la zone en fait, à part les parties, à part les zones émis, tout est gelé.
Et les zones laves ont l'air moins. J'allais dire moins chaudes, mais oui, c'est le cas en fait, elles sont moins chaudes. On va peut-être remonter. Et je vais essayer d'aller jeter un oeil là-dedans. Et du coup, là-dedans, pour récupérer. Ah non, mais c'est déjà récupéré ça en fait. C'est déjà récupéré. Pouvais-je? Ils ont juste mis un boss là en mode gratuit, quoi, c'est tout. Ou alors je descends. Ça va être dur. Et non, je peux pas redescendre. Ça, c'est gelé. Je peux pas descendre. Donc on va save, ça c'est clair. On va aller sauvegarder. Alors après, par contre. Là-haut, je peux toujours pas y retourner. Ça me gêne un peu. J'aimerais beaucoup y retourner en fait. Ah, mais peut-être avec le double saut et tous les le wall jump. C'est peut-être possible maintenant d'aller ici. Alors quand ça sera réchauffé du coup, puisque tout est gelé, il sera peut-être possible de remonter ici et de voir ce qu'il y a enfin par là. Intéressant. Une sphère. Pourquoi ça clignote ça? J'ai raté un pouvoir? Bah non, parce que. Ouais, il me manque une information là. Là, il me manque une information. Bon, pourquoi j'ai mis un marqueur ici? Oui, parce qu'il y a un truc rose que je ne sais pas gérer. D'accord. Bon, allons sauvegarder, on verra bien ce qui se passe. Ah, j'ai droit à du lore. J'ai découvert la raison du rapide refroidissement de la planète. L'énergie thermique n'est plus acheminée depuis Qataris. Cette zone, Artaria, est située dans les profondeurs de la planète. Elle sera en grande partie gelée. Trouve un moyen de faire fondre les portes et les bassins gelés que tu trouveras sur ton chemin. Le système de contrôle central que tu as activé à Qataris est toujours opérationnel. Une force doit empêcher physiquement l'acheminement de l'énergie thermale. Je suppose qu'un puissant X doit en être à l'origine. Tu dois l'anéantir. Reviens ici après avoir résolu le problème. Le refroidissement t'a empêché d'explorer cette zone. Une compétence vitale doit être cachée par ici. Bah la sphère je pense. La sphère du chorizo. Ok, et il va falloir aller à Qataris. Non mais... Par contre... Il n'y a pas de bloc. Voilà. Je peux remonter de l'autre côté. C'est pas tout à fait là où je pensais mais... Ah, il y a une réserve de missiles.
Oh, presque. Il y a peut-être moyen. Oui, il y a moyen. Parfait. Nickel. Il y a d'autres blocs cachés, non? Ouais, donc je ne peux vraiment pas passer par là. La petite re-sauvegarde, ça fait toujours du bien. Et dans tous les cas, c'était gelé de l'autre côté en fait. Donc j'ai bien fait. Je pense. Je pense que j'ai bien fait. Et oui. Bon, bah direction Qataris, re-sauvegarde et bah ça pour aujourd'hui. Qataris. C'est loin Qataris en fait. TP jaune. Le TP jaune il va où? Il va pas à Qataris. Punaise. Oh mon dieu, le mur il est aussi gelé. Il y a un truc là-haut. Qui était allé là-haut? Oh. Wait. C'était pas censé être gelé. Ah non, ça là elle est pas gelée, pardon. Ça là elle est gelée. Ça là aussi. Et ça là aussi. Donc pour aller à Qataris. Et le TP là, le TP bleu foncé. Ce sera après le TP bleu foncé, je pense. Je pense qu'en fait, on fait ce qu'il faut à Qataris. On prend le TP bleu foncé de Qataris. Et après, on nous ramène à Artaria pour avoir le pouvoir. Et du coup, il manquera plus que le TP Scian. Et j'aurai pris tous les TP. Et normalement, je pourrais me TP n'importe où quand je veux maintenant. Enfin, à partir des machines. Descendre ici.
Bien. Ils vont plus m'embêter ceux-là. Ça, c'est bien ça. Je réfléchis pour la prochaine fois. Ah, j'ai une réserve de missiles là, tiens donc. Il doit y avoir quelque chose ici là, je pense. On va aller vérifier ça de suite. C'est à côté. Et oui. Comment ne pas l'avoir vu? Réserve de missiles gratuite. Recharge totale. Et après, je sais pas trop où est-ce qu'on ira en vrai. Il faut que je voudrais que je monte là. Il y a un propulseur là-haut. Il faudra que j'utilise le propulseur. Ok. Et... on retourne à la sauvegarde et on va se laisser là. Tranquillement. Hop là. Comme ça, on sera full régen et au moins le passage, je saurai où aller. Bien. Ainsi s'achève notre session du jour de Metroid. Prochaine fois, c'est quand la prochaine fois? C'est demain. Demain, midi, à peu près. Pareil, Metroid. Et où est-ce que j'en suis? Pardon, j'en suis. Il est possible, et j'espère, de finir le jeu demain. En vrai. Une longue session de Metroid demain et ça peut terminer, ça peut permettre de terminer le jeu. En espérant que les boss soient pas aussi difficiles qu'aujourd'hui. Les boss d'aujourd'hui, c'était du niveau quand même, c'était du challenge. Voilà, du coup demain midi à peu près pour toute l'après-midi Metroid Dread. Demain soir à 21h sera Draken sur un jeu, souvenez-vous les petits CD-ROM qu'il y avait dans les boîtes de céréales. Ben, ça sera Pyjama Sam, ou Sam Pyjama, je sais plus dans quel ordre c'est. Qui vous proposera ça. Jeudi, je vous proposerai un jeu indépendant, Stardreached. C'est un jeu de plateforme aussi, je pense que vous allez rigoler sur le non-skill que je vais avoir dessus. C'est le développeur qui nous a envoyé la clé. Et vendredi, Pokémon Unite sur l'event d'Halloween. Très probablement, il y aura du Tetris 99 aussi, parce qu'il y a des choses à récupérer. Et on verra ce qu'on fait vendredi, sûrement d'autres choses aussi. Voilà, passez une agréable soirée, bon appétit à vous, et je vous retrouve demain. Allez, prenez soin de vous cordialement, bisous.